Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 4 choses qu'une fille fait malgré elle lorsqu'elle est intéressée par un mec. Oui messieurs, vous le savez, nous les filles de base, on est quand même assez subtiles, on est quand même assez discrètes. Quand un mec nous intéresse, on va pas foncer et lui dire « Eh oh mon grand, je suis là, j'ai envie de te pécho ». Non, de manière générale, on vous envoie des petits signaux, des petits trucs pour vous faire comprendre qu'on est là et qu'on est intéressé, mais la plupart du temps, vous ne les voyez pas. Eh bien aujourd'hui j'ai réussi à mettre le doigt sur les 4 choses qu'on fait malgré nous, qu'on fait inconsciemment, qui prouvent qu'on est intéressé par vous. Mais avant qu'on en parle, venez me rejoindre sur mon compte Mime et sur mon compte OnlyFans. Ça y est, Mime a mis en place des lives, où c'est des lives un petit peu plus chauds que sur Instagram, un petit peu plus croustillants. Il y a tous les jours des photos et des vidéos en lingerie, en nu artistique. Bref, n'hésitez pas à venir jeter un œil dans la barre de description. C'est chaud, il y a du lourd, allez voir. Alors, la première chose qu'une fille fait inconsciemment lorsqu'elle est intéressée par toi, c'est qu'elle va parler de toi à ses proches, à ses amis, à sa famille. Bref, ton nom va venir très souvent dans la conversation. Tout le monde te connaît, tout le monde sait qui tu es, que ce soit sous ton vrai nom ou sous un surnom, du style tabouret, caramel, pistache ou Dieu sait quoi. Mais nous, on est comme ça, voilà, on adore en parler. Quand on a un crush, on peut pas s'empêcher de parler tout le temps de lui. Donc, si tu sais que cette fille parle souvent de toi, que ton nom est souvent dans sa bouche, que tu as entendu des rumeurs, etc., c'est probablement vrai. On ne peut pas s'en empêcher. Ensuite, un deuxième signe qui prouve qu'une fille est intéressée malgré elle, c'est si elle rigole à toutes tes blagues. Et quand je dis toutes tes blagues, c'est même tes blagues les plus pourries, même les blagues qui ne sont absolument pas drôles, mais vraiment trop nulles, elle va y rigoler, elle est bon public. Elle peut pas s'empêcher d'être de bonne humeur, d'avoir le sourire et la joie de vivre quand t'es dans les parages. Elle te kiffe. Tout simplement, une fille qui a la banane jusque-là, quand elle te voit, qui est toujours de bonne humeur, qui a toujours envie de rigoler. Eh, c'est parce que tu mets du piment dans sa vie, c'est parce que tu mets de la joie, de la bonne humeur, elle te kiffe, tout simplement. Ensuite, un troisième signe qu'une fille est intéressée, celui-là il est énorme, écoutez-moi bien messieurs, c'est si elle se renseigne sur toi. Si par tous les moyens elle essaye d'avoir des infos sur toi, sur ton passé, ce que tu fais, avec qui tu es, avec qui t'es sorti, qui t'a embrassé, à quelle soirée t'étais hier, avant-hier, bref, si elle se renseigne sur toi à travers les réseaux sociaux, voilà, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, et la meuf elle est capable d'aller voir qui tu as en ami en commun avec cette meuf, quelle photo de cette meuf t'as liké, à quelle date, est-ce que t'as liké les photos de 2013, bref, elle va passer en mode FBI, elle va te stalker sur les réseaux, elle va essayer d'aller demander potes ou à tes potes en commun, elle va essayer de se renseigner sur tout ce qu'elle peut, elle doit faire une liste comme ça chez elle, donc attention, si tu entends que cette fille essaie de se renseigner sur toi, c'est qu'elle est probablement très intéressée. Et enfin, une dernière chose qu'une fille va faire de manière inconsciente, c'est qu'elle va essayer de te rentrer dedans. C'est très bizarre dit comme ça, mais de te rencontrer accidentellement. Il se peut que cette fille, au détour d'un couloir, tu la croises. Il se peut que elle soit à la même fête que toi. Voilà, de manière générale, on va s'élaborer des plans dans la tête pour se dire, attends, le gars, il termine ses cours à cette heure-là, il va passer par ce chemin-là, moi, je vais terminer là, je vais essayer de passer par ce chemin-là pour qu'on se rencontre. On est comme ça, on adore être près de vous. Donc, si tu remarques que la fille, elle est souvent dans les parages, que tu la rencontres de manière accidentelle, un petit peu beaucoup souvent, c'est un signe qu'elle est probablement intéressée. Parce qu'une fille qui te kiffe, elle veut te voir. Même si c'est juste un salut, si c'est juste une bise, elle veut être autour de toi. C'est comme ça. Du coup, voilà la Mifa, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un gros pouce bleu et venez me rejoindre sur Mime. Il y a un live lingerie très bientôt. Ça risque d'être croustillant. Donc, rejoignez-moi dans la barre de description. Et puis, quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.